Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la paire parfaite pour Noël. Bon, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quand est-ce que je sortais la vidéo, soit déjà sortais mercredi, soit déjà sortais vendredi. Mais en fait, j'ai pensé à un truc. Donc la paire que je vais vous présenter, je vais prendre la boîte tout de suite. Donc, elle est là. En fait, c'est pas pour moi, c'est un cadeau pour ma soeur. Donc j'avais peur qu'en fait, si je la sorte mercredi, elle tombe dessus et donc c'était gâché quoi. Donc c'est pour ça, finalement j'ai décidé de la sortir vendredi malgré les sondages parce qu'elle n'est pas là ce week-end donc elle verra pas la vidéo c'est sûr. Donc nouvelle paire, unboxing. Donc déjà on va parler de la boîte. Une boîte franchement je la trouve super belle. Donc partie noire, partie bleu turquoise, l'insigne Nike qui est en couleur inversée pour ressortir encore plus. Je trouve que c'est pas des boîtes qu'on voit souvent donc je suis super content. Sinon le reste, rien de plus simple. Petit bémol sur la boîte. Ici, la boîte, elle serre un peu. Enfin, il faut mettre une petite résistance. Et ici, les coins, ils commencent déjà à s'abîmer. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû faire le couvercle un tout petit peu plus grand. Donc, on tombe sur le papier qui tombe sur un papier qui reprend un peu l'écorce des arbres. Donc ça, pour un peu rappeler la paire, c'est nickel. Donc on pose la boîte là 2 minutes, on ouvre. Bon là j'en vois beaucoup qui rigolent là derrière l'écran, faut pas rigoler du tout. Donc paire de Noël, donc Nike SB, c'est en anglais, je sais plus du tout comment ça se dit, mais c'est pour dire le plus dégueulasse de Noël. J'aurais dû sortir le pull, mais bon, j'en ai pas. Donc franchement la paire, comme ça au premier avis, moi je me disais c'est une blague. Et puis ma soeur a dit ah non j'aime bien, j'aime bien. Et puis bah je l'ai prise toi et puis en la recevant j'ai dit en fait elle est pas mal. Donc petit bémol encore, pour moi ça c'est une paire d'hiver donc elle aurait dû entrer en cuir mais non c'est du tissu un peu renforcé donc ça enfin faut voir en fait si l'eau elle va traverser ou pas. Et encore un autre bémol que ça je trouve vraiment directement ça m'a pas plu, je l'ai enfin c'est vraiment le truc qui m'a frappé directement. En fait tous les petits motifs en fait on dirait qu'ils sont collés. Enfin, moi j'aurais préféré qu'il soit vraiment imprégné dans le cuir déjà, mais non en fait c'est tout des patchs qu'on est venu. On a recollé un petit peu partout. Donc ça j'ai peur que ça s'enlève au fur et à mesure. Sinon la paire comme je le dis, je la trouve magnifique. Le bleu il ressort super bien. Donc ici sur la semelle antérieure bleue avec ici le petit orange. Le souche bleu et du rouge qui ressort donc l'intérieur. Ici la petite languette rouge. Et là c'est aussi ils sont bleus. Et l'intérieur, enfin la semelle en fait. Attendez, je vais essayer de la sortir. Enfin, moi je la vois, mais si je vous la montre ainsi à la caméra, vous n'allez pas la voir. Donc attendez. Putain, par contre, c'est du 40 et demi, ça serre fort. Hein. Ouais, ma soeur elle a des grands pieds, ouais, 40 et demi, c'est pas mal du tout. Donc ouais, comme ça, ma soeur et que je lui offre pas maintenant, je saurais pas vous montrer. Ouais, je vais pas réussir à enlever la semelle. Je saurais pas vous montrer des plans portés, mais je vais vous faire des plans rapprochés après. Ouais, non, je vais pas réussir à retirer la semelle. Mais en fait, c'est un sapin de Noël. Enfin, un sympa de Noël. Oh putain. Donc, ouais. C'est un bonhomme de neige. Attendez. Ah non, j'ai pas mon téléphone. C'est un bonhomme de neige. Et en fait, quand on regarde à l'intérieur, il est marqué le Nike en blanc. Bah, comme si on avait pissé dans la neige, quoi. Vraiment, t'as pissé dans la neige et ça fait Nike, quoi. Donc, voilà. Donc, la paire, franchement, moi, je la trouve belle. Donc, comme motif, on peut voir bonhomme de neige, des cadeaux, des bonhommes de pain d'épices. Et des petits grains de gui et des flocons de neige. Donc moi cette paire-là, je dis oui pour mettre quelques jours sur l'année, puis pour décorer. Parce que enfin, franchement, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Après, elle est sortie aussi il y a 2 semaines, je pense. Donc elle est sortie le 6 décembre, si je ne me trompe pas, au prix de 120 euros. Puis il y a eu un restock du samedi. Et à chaque fois, sold out en 2 minutes, quoi. Donc ça, c'est dingue. Et je m'étais dit, pour délirer, je vais voir pour essayer de la revendre. Donc je crois que je l'avais mis sur. Enfin, non, je l'ai mis sur Klekt au prix de 170 euros. Mais bon, elle s'est pas vendue, quoi. Je pense que c'est surtout des paires que t'achètes parce qu'il y en a vraiment qui sont à fond dedans et les autres, tout le monde s'en fout, quoi. Parce que j'avais vu aussi le site de la Sneakers, je pense que c'était eux. Ils avaient mis une story Instagram avec cette paire, cop ou drop. Et à 70%, c'était drop, quoi. Tout le monde, enfin. C'est un délire quoi, c'est vraiment que ceux qui sont acharnés, acharnés, qui l'achètent. Et donc bien sûr, c'est pas Nike qui a fait cette collab tout seul, enfin cette paire. C'est une paire qui a fait avec Concept. Donc en fait, ici sur les aglets, il est marqué Concept, mais vous n'allez pas le voir, je vais vous le mettre sur les plans rapprochés après. Et donc cette paire, en fait, ils en ont déjà fait une, mais l'autre, j'adhère pas du tout. En 2003, je pense. Et c'est un concept qui marche.
et qui a bien marché. Je pense qu'on va encore revoir dans les années futures. Donc maintenant, on se rejoint tout de suite pour les plans rapprochés. Another beat by Mr. 300 Momo Production. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, partage la vidéo et surtout abonne-toi!